voici l'antenne pour cette rencontre de la cinquième journée du championnat professionnel de Ligue 1. Il s'agit évidemment de la formation du CS Constantine. Ambiance bien spécifique au CS Constantine. Et je vous dis pas, hein, tous les portables sont hissés pour filmer et immortaliser ces moments exceptionnels que nous offrent les supporters du CSC à chaque rencontre de leur club. Eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, le CS Constantine que l'on voit à l'image est représenté par Def Amara, Benhamid Chnourdine, Dissam Mekawi Zindine, Lemaisi Abdelrahman, Messali Adel, Ngobo. Cette rencontre tant attendue, je vous disais tout à l'heure que j'aurai à mes côtés Dahman Mohamed, l'attaquant du CSC. Voilà, le coup d'envoi est donné pour 90 minutes. Ils sont allés chercher deux victoires à l'extérieur, donc c'est une équipe d'El Harach qui carbure bien depuis le début de saison. Attention, Issaoui justement pour ce corner. Et c'est le but. Et le but, l'ouverture du score de la part d'El Harach avec ce coup de tête de Grish Adlen, ancien joueur du CS Constantine qui crucifie ses anciens coéquipiers. Et il n'a même pas eu la joie de marquer. Regardez, d'abord, bien placé, il est hors de marquage de la défense. Et il n'a fait juste que lever les bras. Voilà, une voilà. Rage, une avec le gardien aussi qui prend le risque de sortir et qui, je pense, qui a ralenti juste avant. Voilà, on le voit bien, une erreur d'appréciation totale. Et derrière, il n'y a aucune couverture. Lâche. Voilà, sur une phase arrêtée avec un ballon. Attention avec Ifoussa qui tire et le tir était trop beau. Ouais. À l'entrée des 18 mètres. Il était de dos, hein, donc difficile pour lui de prendre ses marques. Il essaye de frapper mais sans vraiment grande conviction. On voit ici avec le ralenti où il se retourne sans regarder, il frappe directement en enchaînant. On se cherche du côté du CSC. Je crois ouverture. Que la faille a été trouvée sur le côté gauche. Allez, une belle ouverture, le centre pour Mekawi. Et les deux mains, les deux gants sur le côté. À droite, attention, Doucha très concentré, attention. Oui, c'est le but. Oh, c'est le but et je pense qu'on va l'attribuer. Alors, soit ouais, à Nigeria, je pense que c'est peut-être Bouguera qui la touche. Ouais, ouais. Et on va voir quel est le joueur. Même. Mais la légalisation du CSC. Et on va voir qui a remis les pendules à l'heure. Attention, Nigeria. Et je pense que personne ne touche. Je pense que le gardien essaye de la reprendre. On remarque quand même que les deux buts ont été marqués sur balle arrêtée, c'est-à-dire que le jeu est assez serré. Il fout ça. Allez, vous pour faire Hadi Youb. Oui, bel appel. Ah oui, c'est très bien appel. Le deuxième but. Oh non, l'intervention de Ziani qui sauve son équipe d'un deuxième but pratiquement tout fait. Ziani. Très belle ouverture, très bel appel de Bouguera. Dommage, ballon dévié par le gardien. Et là, il a vraiment du bout du pied, hein, vraiment. Et là, et ça serait aussi un bon résultat. Mais... Et on voit que le CS Constantine reprend encore une fois les commandes. Attention, le ballon rentre. Oh oui, le but. Et Grish qui marque et contre son camp. Grish qui permet à l'équipe du CSC de marquer le deuxième but contre son camp en ne donnant aucune chance à son gardien après. Ce coup de patte de Nigeria, regardez ce que fait Grish, il lobe son gardien. Il lobe son gardien, mais on voit encore un très très bon coup franc hein, frappé par Nigeria, très très fort, qui donne beaucoup de complications à la défense et il le dévie au dernier moment et il prend son... Et en plus là, Grish qui vraiment... On voit hein, qu'il intervient, qu'on a passé derrière, je pense que c'est le but le plus petit de l'équipe. Ah là, attention, très bien donné, mais là, une belle intervention. Allez, cela peut repartir. Là, mais, ah oui, il faut tout de suite jouer le coup. Attention, le contre avec Ifoussa. Il n'y a pas de le gardien qui ne sort pas en plus. Oh la bêtise. Oh Ifoussa. Allez. Attention. Oh le troisième but. Oui. Magnifique. Le troisième but du CS Constantine avec Zemit. Zemit qui nous fait faire la roulade. Exactement. Le but du CS Constantine, comme à l'entraînement avec ce contre. Bien mené par Farhat Ayoub et Ifoussa. Et Ifoussa qui a l'intelligence de garder le ballon et de crocher. Enfin, un crochet quand même, il est imparable. Et Zbit qui ne donne aucune chance aux défenseurs. Il jette tout de suite dans les mains et là il y a une accélération, un bel appel. Ici, une très belle passe. Et Ifoussa ici qui va fixer le gardien, qui fait exprès de l'intérieur et voilà, qui prend le gardien carrément. Vraiment, il le laisse dans le vent et puis et là, voilà, Zbit qui la place.